Recherche de fuite dans une maison. Là, on est au rez-de-chaussée. On a dans une salle de bain où on a le plafond. Donc toute la partie plate a été retirée. On a beaucoup d'humidité au niveau des poutres en bois et du plafond par lui-même. Donc on va aller au premier étage. La pièce au-dessus qui est également une salle de bain. Donc les propriétaires avaient commencé à percer au niveau du sol. Voilà, ici, en croyant que la fuite se trouvait à cet endroit-là. En fait, il n'y a rien. On a ici une baignoire où on va s'apercevoir qu'on a des manques de joints, des fissures en plusieurs endroits. Voilà, et si on fait ici un test colorant, on va voir que le colorant il rentre. Voilà. Ici également à plusieurs endroits, notamment ici. Voilà. Ça s'infiltre tout de suite. On a plusieurs endroits ici. Problème d'étanchéité également au niveau des rosaces. Un espace ici. Et de l'eau qui va couler ici le long, la baignoire, avec également une infiltration au niveau de la faïence.